Bonjour, bienvenue sur le stand de La Ruche qui dit oui pour un nouveau rendez-vous. Et ce matin, on va parler avec Alain Divot des sols et savoir si les sols sont foutus à jamais ou est-ce qu'il y a moyen de les ressusciter. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Donc toi, tu es agriculteur, paysagiste, magicien. C'est quoi ton métier au juste ? Hélène, pour ne rien te cacher, je pense très sincèrement que 50 à 60% des métiers dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. On est dans une phase de transition qui, à mon avis, est bien plus importante que ce qu'on a connu au 19e et au 20e siècle. Et c'est là où tout prend une autre dimension, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne forme pas les jeunes aux métiers de demain et qu'on est encore sur des métiers d'hier. Pour te répondre, mon métier, c'est de l'agroécologie, c'est du jardinage, c'est jardinier paysan. Mais je crois que c'est le fondement même de la vie, c'est justement de voir l'avenir et d'essayer de prévoir l'avenir. C'est malheureusement pas ce qui se passe beaucoup actuellement dans le monde agricole et para-agricole. C'est que depuis 40 ans, j'assiste à une perte de biodiversité phénoménale. Dans ma région, Île-de-France, c'est 39% des oiseaux qui vont disparaître dans moins de 10 ans. C'est 50% des insectes qui vont disparaître. L'éco-pâturage, c'est un constat en termes de biodiversité faunistique floristique que je fais sur le terrain. Derrière, j'utilise des animaux en race en voie de disparition, un petit effectif. Je mets les bêtes en place. C'est suivi souvent par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et au bout de quelques années, on a ce retour de biodiversité. Derrière tous ces éleveurs qui souffrent actuellement, c'est d'arrêter de dégrader les sols. C'est d'avoir une vision, là encore une fois, humaniste de leur travail. De pouvoir intégrer toute une approche complètement différente. Ce ne sont plus aujourd'hui que des producteurs. Ce sont aussi des gens qui sont là pour faire du social, de l'économique, de l'environnemental. On a les techniques culturelles simplifiées. C'est à eux de les mettre en place. Le non-labour de sol, les techniques sous couvert. On a plein de jolies choses à mettre en place. J'aimerais être comme les jeunes qui sont autour de la table parce que l'avenir de l'agriculture, c'est eux qui vont l'avoir. Et il y a des projets phénoménaux à mettre en place. On a 80% de la biomasse qui est dans le sol. 80%, 20% seulement hors sol. C'est là où toute la vie repose, c'est là où tout fonctionne. C'est juste de l'observation et tout ça, ça marche avec des bactéries. Ça marche en symbiose mycorhizienne. Je n'ai fait qu'observer la nature et de me dire 80% est dans le sol, ces bactéries sont là et à moi de les utiliser et à moi de m'en servir. Le fait que je produise mon fumier avec mes animaux, en termes de richesse de fumier, c'est quelque chose d'essentiel et c'est d'utiliser ça pour restaurer toutes ces symbioses qui existent. C'est cette symbiose qui nous permet de vivre ensemble. Si elle n'existe plus, on perd nos racines, on perd cette notion de terroir et je crois que c'est là où on a de graves dangers pour notre avenir.